Bonjour, monsieur Tremblay. Bonjour, docteur. Les routes sont mauvaises, hein? Pas si mauvaises. Ma femme est avec Étienne. Très bien. Oh, ça va bien aller. Le docteur arrive. Ça va bien aller. Ah, oh, docteur Marcoux, enfin vous voilà. Sa fièvre monte. Il ne reconnaît même plus. Depuis quand est-il ainsi? Environ 2 heures. Il en revient à la crise. Je vais rester. Apportez-moi de l'eau tiède et une serviette épaisse. Oh, mon gars, viens-t'en ici qu'on écoute ce qui se passe. C'est bien ça. Baisse ta tête. Il y a 100 ans, le médecin pouvait faire relativement peu de choses pour soulager son malade. Le support moral et le réconfort d'un médecin sympathique étaient pour ce malade la meilleure et la seule thérapeutique. Depuis les 100 dernières années, la médecine s'est considérablement transformée. Il s'est accompli plus de progrès durant ce dernier siècle que durant toute l'histoire de la médecine. Contrairement à ce qui se passait il y a 100 ans, aujourd'hui, tout le potentiel des connaissances humaines et techniques est mis à contribution, et il est courant pour les membres de la profession médicale et paramédicale de faire équipe. Service d'urgence? Allô? Mon petit garçon vient d'avaler des pilules. Qu'est-ce que je dois faire? Quel est votre nom? Madame Trudel. Madame Trudel, quelle est votre adresse? 60 avenue Laval. Ne quittez pas, madame. Je vous communique au centre antipoison. Centre de désintoxication. Mademoiselle, voulez-vous appeler le médecin? C'est pour un cas d'empoisonnement. Docteur Filteau, docteur Charles Filteau, 21. Ici, à Winnipeg, lorsqu'on veut atteindre le centre de désintoxication, on compose 999. Une auto de la police est aussitôt dépêchée sur les lieux, au cas où le patient doit être transporté d'urgence à l'hôpital. Des centres comme celui-ci existent à travers le Canada. Grâce à leur rapidité d'action, ils sauvent tous les jours des vies humaines. Dans tout hôpital pédiatrique moderne, l'enfant bénéficie de l'expérience d'une équipe de médecins et d'infirmières spécialement entraînés à ce genre d'urgence. Dans ces mêmes hôpitaux, d'autres enfants reçoivent des soins médicaux qui leur sont administrés dans une ambiance rendue agréable. Ainsi, ces prématurés profitent des appareils les plus perfectionnés et de l'attention d'un personnel hautement qualifié. L'hôpital est l'atelier du médecin. Ainsi, à l'hôpital général de Vancouver, on opère en moyenne 100 personnes par jour. C'est au Canada qu'ont été développées certaines techniques modernes, essentielles à la chirurgie cardiaque d'aujourd'hui. L'héparine, servant à retarder la coagulation sanguine, l'hypothermie et la curare, adjuvant de l'anesthésie,
ont permis à la chirurgie cardiaque de progresser à pas de géant. Et grâce à la pompe cardiaque, on peut maintenant opérer le cœur sans interrompre la circulation. Si celui-ci devait cesser de battre, le pacemaker, une autre contribution canadienne, pourrait être employé pour régulariser le rythme cardiaque. L'opération à cœur ouvert, telle qu'elle se pratique à l'Institut de cardiologie de Montréal, est maintenant un fait quotidien à travers le Canada. À l'Institut de réhabilitation de Montréal, s'écrit un autre chapitre de la gloire médicale. Well, thanks to this miniaturized hand, it is possible to send children back to school, even the thalidomide children. It's an extraordinary thing. Oh, yes, indeed. Et grâce à cette main artificielle, le sort des infirmes et même des enfants phocomèles n'est plus aussi sombre qu'il l'était il y a encore peu de temps. Batteries, power supplies and electronic equipment. Well, you know, from this hand, it will be possible to build an entire new arm. En effet, une équipe de médecins et de techniciens qui s'est acquise une réputation mondiale travaille ici sans relâche dans le but de trouver des solutions les plus ingénieuses pouvant aider les handicapés. En 1964, lors de la tragédie de la thalidomide, il fallait trouver un substitut aux membres manquants ou difformes. Hello, Miss Brosway. Comment ça va, la petite Jeanne d'Arc? Ça va mieux, là? Montre-moi comment tu marches maintenant. Encore un peu. Oh, c'est bien, c'est bien. Tous ces progrès techniques dans le domaine de la rééducation sont soutenus par l'enthousiasme et le dévouement des médecins, tels le docteur Gustave Gingras. Merci. Nice to see you today. Puis la petite, comment est-elle? Ça va bien. Ça va bien, hein? Puis combien de temps les appareils maintenant? Ça fait environ un mois. Cool. Attends, il y a deux minutes que je vois ça. Ah, c'est bien ça, ça sera pas long, on va voir les Vikings maintenant. Bonjour, ma belle enfant. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muy bien. Ça fait bien, la petite, hein? Oui, ah, très, très bien. Good. Bonjour. Bonjour, docteur. Ça va bien? Ça va bien. Ça fait combien de temps, la petite, en position d'équilibre comme ça? Ça fait 40 minutes. 40 minutes, le temps passe, hein? C'est bien. Bien. C'est bien, good, je suis content. Puis en chaise roulante aussi? Il y a un siècle, les malades mentaux étaient confinés dans de sombres institutions d'État dont ils ne sortaient que très rarement. Grâce au courage et à la ténacité de médecins canadiens, pionniers dans ce domaine, les malades mentaux vivent maintenant dans un monde de lumière et d'espoir. Dans ce nouvel édifice élevé à la mémoire du docteur C.K. Clark, un groupe de chercheurs travaille côte à côte avec des cliniciens, des travailleurs sociaux et des thérapeutes afin de faire profiter les malades mentaux des découvertes les plus récentes de la médecine moderne. D'un littoral à l'autre du Canada, des hôpitaux et des centres de recherche sont construits pour faire face à la demande croissante de travailleurs spécialisés dans les divers domaines de la médecine. Pour commémorer le centenaire de la Confédération, l'Université Dalhousie d'Halifax a été pourvue de nouvelles installations en l'honneur du premier président de l'Association médicale canadienne, Sir Charles Tupper. Sir Charles Tupper est un des pères de la Confédération. Un grand nombre de Canadiens se sont distingués en médecine. Le plus célèbre d'entre eux fut sans contredit, Sir William Osler, professeur de médecine aux universités McGill, Pennsylvanie, Johns Hopkins et Oxford. Ses cendres reposent ici même, derrière un panneau non identifié parmi cette magnifique collection de livres qu'il a légué à l'université McGill. Son souvenir demeure précieux au cœur des médecins du monde entier. Ce qui a probablement le plus marqué l'éminent professeur Osler au déclin de sa vie fut l'avènement de la grande tragédie de 1914, la Première Guerre mondiale.
Devant les innombrables pertes de vie et les mutilations de guerre, la profession médicale dut faire face à des urgences. Des maladies nouvelles résultèrent de ce conflit mondial. L'état de choc, l'infection des plaies, les défigurations épouvantables. À cette occasion, le docteur Edward Garley s'est illustré par son travail en développant la technique des greffes osseuses et cutanées pour la réparation des plaies. Ce fut un Canadien aussi, le docteur Lawrence Bruce Robertson, qui introduisit une nouvelle méthode de transfusion par seringue multiple, procédé qui a sauvé un nombre incalculable de vies humaines. Nous n'avons mentionné que deux médecins canadiens qui se sont distingués dans ce conflit mondial. Plusieurs autres y ont laissé leur vie, des hommes comme le docteur John McCrae, dont le souvenir est perpétué par son inoubliable poème « In Flanders Fields ». Parmi les vaillants soldats qui en sont revenus, se trouvait un jeune médecin du nom de Frederick Banting. I had met Fred Banting once before we started the work. He came up to Toronto from London. J'ai rencontré Fred Banting une fois avant que nous commencions à travailler ensemble. Il est venu à Toronto et nous avons discuté de la possibilité de collaborer. J'ai eu l'impression alors qu'il était très original. Comme vous le savez, il avait un tempérament d'artiste. Il aimait la musique et le dessin et chantait chaque fois qu'il en avait l'occasion. Nous savons maintenant, de fait nous le savions alors, qu'il s'était mérité la croix militaire lors de la Première Guerre. C'était un médecin courageux et dévoué. Le docteur Best et d'autres chercheurs participèrent avec Banting à la découverte de l'insuline, premier médicament efficace contre le diabète. Cette découverte leur valut le prix Nobel. Nous avons demandé au docteur Best de nous rappeler le moment crucial de cette grande découverte. Nous enlevâmes le pancréas et rendîmes ainsi nos chiens diabétiques. Les animaux furent très malades. Leur glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang, fut 4 à 5 fois supérieur à la normale. Ils éliminaient beaucoup de sucre dans leurs urines. C'était des sujets parfaits pour l'hypothèse d'une sécrétion endocrine. Le moment le plus dramatique dont je me souvienne fut la démonstration de la diminution de la glycémie de notre premier chien diabétique. La glucose urinaire diminua incontestablement, mais la chute du taux de sucre sanguin fut le phénomène le plus impressionnant. La première banque de sang a fonctionné avec succès, fut établie en 1934 par le docteur Norman Bethune lors de la guerre civile d'Espagne. Défenseur de nombreuses causes, Norman Bethune mourut en 1939 alors qu'il combattait pour la République populaire de Chine. La mémoire de ce personnage légendaire est vénérée par toute la Chine. Le docteur Wilder Penfield, un des neurochirurgiens canadiens les plus réputés, s'est illustré par sa contribution à la connaissance du cerveau humain. Il mit au point des techniques opératoires permettant de traiter certaines formes d'épilepsie. Ses découvertes de l'anatomie du cerveau eurent une influence considérable sur la neurochirurgie. Electrode 12 is on the insula, below the fissure. Electrodes 13 to 15 are 2 centimeters away from the medial bone edge. All ready? Start counting up to 10, Paul. Start counting up. And count to 10? Start. One. One. Go ahead. Three. Durant cette délicate opération sur un épileptique, le docteur Rasmussen peut travailler avec une précision extrême grâce à l'électroencéphalographe, appareil qui mesure les diverses zones cérébrales. Par stimulation, un ictus épileptique est provoqué et permet de vérifier le succès de l'opération. And we recorded from the, after just taking off the
very tip end, and there were a few spikes there, so I went ahead and took off the rest of the pests. The body of the hippocampus is in place, and this really got rid of all the epileptiform abnormality, and so I won't do any more radical removal there. Suppose that's herniation alone? Well, it looks like it, you know. Because of all this rim of tissue from the pes hippocampus, the tissue that goes around the tip of the ventricle. L'Institut neurologique de Montréal reçoit des patients de toutes les parties du monde, permettant à ceux-ci de se faire opérer par les mêmes médecins qui ont découvert ces techniques opératoires. C'est au cours de la Deuxième Guerre mondiale que le monde entier a vu progresser la médecine. Une fois de plus, le rythme des recherches médicales a dû être considérablement accéléré pendant que des humains étaient soumis à diverses épreuves d'endurance. Une équipe canadienne de recherche, présidée par le docteur Frederick Banting, s'est attaquée à divers aspects du problème de la médecine aéronautique. Dès le début de la guerre, le docteur Wilbur Franks s'est intéressé aux pertes de conscience subies par les pilotes lorsque ceux-ci étaient soumis à des forces supérieures à la gravité terrestre. Il inventa un vêtement qui permit d'éviter ces pertes de conscience par son action anti-gravité. Cette invention du Dr. Franks demeura une arme secrète entre les mains des Alliés durant toute la guerre. En mesurant la résistance humaine à des augmentations subites de gravité, le Dr. Franks fut à l'origine de nombreuses recherches qui sont aujourd'hui à la base des progrès réalisés par la médecine aéronautique dans la conquête de l'espace. Le vêtement conçu par le Dr. Franks exerça une influence décisive sur la victoire des Alliés. À mesure que la guerre se déroulait, les Alliés eurent besoin d'un nouveau genre de travail d'équipe. Ce fut le cas lors de l'invasion de la Normandie. Il y eut de nombreuses contributions individuelles, mais le visage de la médecine changeait. Aujourd'hui, la recherche médicale se fait par un effort concerté, impliquant l'emploi de ressources complexes. De grandes sommes d'argent sont engagées, des spécialistes de diverses disciplines travaillent ensemble, et ces échanges d'idées et de découvertes s'accomplissent maintenant à l'échelle internationale. L'après-guerre a vu des réussites brillantes comme celle du docteur Hans Selye sur le stress biologique ou celle du docteur Murray Barr dans le domaine de la génétique humaine. La règle, cependant, est maintenant établie. La recherche est avant tout multidisciplinaire. Un bon exemple nous est fourni par la campagne entreprise en Colombie-Britannique pour la détection précoce du cancer chez la femme. À travers toute cette province, des frottis prélevés par les médecins furent dirigés vers les laboratoires de dépistage de la Société canadienne du cancer et ceux de l'Hôpital général de Vancouver. La coloration spéciale de ces frottis permet de détecter immédiatement la présence de cellules cancéreuses et de traiter rapidement la maladie. Si les frottis font l'objet de discussions, des spécialistes, sous la direction du Dr. H.K. Fiddler, les examine sur un circuit de télévision privée. En Saskatchewan, le Dr. H.E. Johns et son équipe ont mis au point en 1951 une unité de cobalt-thérapie, réalisant ainsi un progrès gigantesque dans le traitement du cancer par irradiation. Le dépistage précoce et un prompt traitement constituent notre meilleure arme contre le cancer sous toutes ses formes. 10 ans plus tard, le docteur Jonas Salk lance une campagne contre la poliomyélite par inoculation du vaccin dont il est lui-même l'auteur. Les laboratoires Connaught, sous la direction du docteur Hardy DeFries, gagnant du prix Lasker, ont joué un rôle de premier ordre dans cette campagne. Une équipe de chercheurs dirigée par le docteur Raymond Parker a développé une méthode pour la culture de virus vivant sur du tissu rénal de singe en milieu synthétique. Les scientifiques des laboratoires Connaught furent ensuite appelés à fournir tous les virus utilisés dans la production initiale du vaccin Salk.
On peut dire aujourd'hui que cette importante contribution a virtuellement enrayé la polio. Tous ces cours médicaux n'avaient qu'un seul et unique but, celui de lutter contre la maladie et par ce fait promouvoir le bien-être de leurs concitoyens par des soins de haute qualité. L'âme de cette armée était l'Association médicale canadienne. Le docteur H.A. McDermott, l'historien officiel de l'Association, raconte en détail les 100 ans d'existence de celle-ci dans ce volume publié à l'occasion de son centenaire. Aussi vieille que la Confédération elle-même, l'Association fut fondée à Québec en 1867. L'année même de la naissance de la Confédération canadienne, 164 médecins du Haut et du Bas Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick se réunirent ici même, à l'Université Laval, pour fonder l'Association médicale canadienne. Ils en établirent les règlements et élurent les membres du premier bureau dans cette salle de promotion. Les délégués du Canada français y apportèrent la contribution d'une tradition médicale établie depuis déjà 3 siècles. La petite église de l'Hôtel-Dieu de Québec, le plus ancien hôpital d'Amérique, est aujourd'hui entourée des nouveaux bâtiments qui en font un hôpital moderne. Surplombant le cloître des religieuses qui ont fondé l'hôpital en 1639, on voit un musée qui abrite les pièces historiques, témoins de la pratique médicale d'il y a plus d'un siècle. L'apport de la médecine clinique française fut accru et amélioré en Nouvelle-France. Et cette splendide tradition vint enrichir l'Association médicale canadienne en 1867. Quand Terre-Neuve devint province canadienne en 1949, la mission Grenfell fut intégrée à l'association. Fondée en 1892 par Sir Wilfred Grenfell, la mission a desservi les avant-postes de Terre-Neuve et du Labrador, d'abord avec des attelages de chiens, ensuite avec des vaisseaux hôpitaux et plus récemment avec des avions. Tous les médecins doivent faire preuve de dévouement et d'endurance, mais cela est particulièrement vrai dans cette mission. L'Association médicale canadienne prend racine partout au Canada par l'intermédiaire de sociétés médicales affiliées. Ses membres sont tous des médecins praticiens intimement liés à ceux qu'ils servent. Des omnipraticiens et des spécialistes se rencontrent pour s'instruire et discuter des problèmes médicaux de la journée. Des rencontres régionales comme celle de Musquodoboit Harbour en Nouvelle-Écosse sont un exemple d'autodétermination démocratique et professionnelle. Les lignes d'action de l'association sont établies par des comités d'études et par des débats. Une revue du travail accompli est présentée lors du congrès annuel, comme celui qui a tenu ses assises à Edmonton en 1966, le 99e de notre histoire. Outre les décisions politiques, le congrès offre à ses membres des sessions scientifiques qui renseignent les praticiens sur les plus récents progrès de la médecine. La partie argentée inférieure qu'on nomme étage de descente servira de rampe de lancement pour la partie jaune qui sert d'étage de montée. Elle se détache du moteur de la fusée. Elle sera placée en orbite lunaire afin de rencontrer le satellite de commande qui est déjà en orbite. Il est question de se servir de cet appareil comme laboratoire extraterrestre. Le docteur Owen Coons, un Canadien et ancien associé du docteur Wilbur Franks, est directeur de la recherche médicale pour la NASA. Il étudie certains problèmes posés par la vie lunaire. Nous remplaçons tout l'appareil, c'est-à-dire l'étage de montée et de descente, par une installation où il sera possible de vivre. De fait, cela peut être considéré comme un laboratoire où nous aurons la chance de faire des recherches physiologiques précieuses du point de vue scientifique. Nous souhaitons pouvoir revenir d'ici quelques années
vous entretenir des résultats de cette recherche, alors que les astronautes, quant à eux, reviendront entretenir leurs confrères de ce qu'ils trouveront en orbite terrestre. Lors de la session générale du Conseil, des comités permanents et spéciaux font rapport. And five, that the CMA recommends that research into the accident problem be encouraged and fostered in Canada, for example, by the establishment of accident study and control units. Moved and seconded that this recommendation be approved. It's open for discussion. Dr. Armour? Mr. Chairman, with regard to part five of this recommendation, it might interest counsel to know that in our divisional committee on child welfare, des décisions sont prises, des initiatives projetées, et à la fin du congrès, le président est installé dans ses fonctions. On honore ensuite les membres qui, depuis longtemps, servent avec dévouement l'Association médicale canadienne. Le médecin sait que le jour de sa graduation ne marque pas pour lui la fin de son savoir, mais plutôt le début d'une laborieuse carrière. Le programme médecine exige de lui une constante vigilance. C'est ici, dans l'avancement des découvertes, l'amélioration des procédés, le développement des idées et l'application des connaissances des besoins humains que se trouve le véritable génie de l'histoire de l'humanité tout entière. L'Association médicale canadienne, à l'occasion de son centenaire, dédie ce film aux milliers de médecins canadiens qui, par dévouement et amour de l'art de la médecine, ont consacré leur vie à lutter contre la maladie. Nous avons pleine confiance dans les jeunes étudiants et étudiantes d'aujourd'hui et de demain qui choisiront cette profession et qui contribueront ainsi au succès resplendissant des prochains 100 ans de la médecine canadienne.